Salut à tous, c'est Wolduf, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière suivie sur Football Manager 2016, à la tête toujours de Newcastle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de deux matchs. Le premier contre Arsenal et le second, si je ne dis pas de bêtises, contre Chelsea. Donc grosse journée aujourd'hui. Deux gros matchs, il va pas falloir flancher. Surtout qu'en ce moment, au classement et au dernier résultat, on n'a pas été très 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 brillant en première division. Donc on s'était quitté la dernière fois sur le match nul contre Aston Villa. Une série de 4 matchs sans victoire, 5 matchs même sans victoire en championnat. Donc hors vidéo, vous pouvez voir que j'ai fait le match contre Brentford, qui était le match des 8e de finale de la Capital One Cup. Victoire 2 buts à 0, mais victoire aux prolongations. Je galère toujours en coupe, tout le temps obligé d'aller jusqu'aux prolongations ou même jusqu'au penalty. Pourtant, la Brentford, c'est un club de seconde division. Bon, certes, c'était pas l'équipe type, hein, Tim Krul, il y a Matt Taylor qui était là. Gideon Adupépra, titulaire, le petit jeune de 18 ans, qui était titulaire à gauche. Pareil, il y avait Gutiérrez qui était en numéro 6. Associé au milieu de terrain, s'il veut bien nous le montrer, à Milan Badelj et Bruno Paulista. Et puis devant Gaston Ramirez, Rémi Cabella et Mattia Destro qui refaisait son retour dans une formation en 4-3-3 avec un numéro 6. Donc victoire dans les prolongations sur deux passes décisives de Armstrong, mon petit jeune. Vous allez voir. Là, il remet en retrait pour Wijnaldum. Et sur le deuxième but, ça revient encore. Bon, là, il va y avoir une, voilà, une petite passe en profondeur. Peut-être hors jeu, Mathias Destro. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il arrive à poser ce ballon dans la lucarne du gardien de Brentford. Donc, qualification pour le quart de finale de cette compétition, ce qui était l'objectif, hein. Les dirigeants voulaient une qualification pour les huitièmes de finale. Je leur ai dit non, 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 on va essayer d'aller jusqu'en quart de finale, sachant que l'an dernier on est allé en demi-finale. Donc objectif atteint. Déjà, on est le 30 octobre et objectif, un des objectifs atteints. Donc aujourd'hui nous allons voir, on va commencer d'ailleurs par voir le tirage des quarts de finale, sachant que il reste Chelsea, Liverpool et dans les grosses écuries, et Blackburn dans les petites écuries, voire Stoke qui ont été relégués à l'issue de la saison dernière. Donc on va voir contre qui on va tomber tout de suite. Le premier match, ce sera Stoke qui recevra Newcastle. C'est parfait. C'est parfait, ça me convient. Alors que Blackburn ira à Leicester, que Liverpool recevra Norwich et que donc Southampton recevra Chelsea. Eh ben, c'est un tirage encore favorable pour moi, qui me convient parfaitement, qui va peut-être nous permettre de franchir encore un tour. Donc on va regarder directement le prochain tour. C'est ici, ouais. Bon, ça s'affiche pas. Si, ça affiche. Bon, là, ça me marque inconnu. Pourquoi là, on voit. C'est quand même Stoke City. Dernière confrontation comme Stoke City. Une victoire chez eux, une défaite à domicile. Bon. Je ne sais pas s'ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Afellay qui est parti. Shaqiri, Arnautovic. Trois gros joueurs offensifs. Shawcross, Johnson, Munieza. Ouais, ils ont perdu quand même pas mal de monde. Mais bon, ils se sont bien renforcés. Avec notamment l'arrivée de Luis Alberto. De Liverpool, en prêt. Et puis trois jeunes joueurs en prêt. Quatre même. James Wilson, Andreas Pereira, James Wilson et même Nick Powell. Les quatre qui viennent de Manchester United. Donc voilà ce qui concerne la Capital One Cup. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à la Barclays Premier League avec donc un match tout de suite contre Arsenal et ensuite on ira recevoir Chelsea. Arsenal et Chelsea qui sont troisième et quatrième, nous on est septième. Donc possibilité de bien monter au classement si jamais on gagne ces deux matchs. Par contre, possibilité d'être rattrapé par toute une flopée de poursuivants si jamais on perd ces deux matchs. Donc on va commencer avec Arsenal. Et Arsenal,
On n'a jamais perdu contre eux, on a fait deux matchs nuls. J'espère que la série va continuer. Donc on joue en fin de journée, donc il va y avoir les matchs de l'après-midi qui vont être joués avant. On va pouvoir voir si on perd déjà des places au classement. Les matchs qui se jouent dans cet après-midi. Pas de résultats pour l'instant qui apparaissent. Alors on va aller voir compétition. On voit qu'on est toujours à la 7ème place. Chelsea a battu West Ham, conforte sa 3ème place. Everton a battu Hull City, Manchester City a battu Leicester, Manchester United a battu Norwich, Southampton a gagné contre Aston Villa, Tottenham a battu Reading. Donc tous les premiers ont gagné. Maintenant, c'est soit on recolle avec 16 points, soit on se fait détacher avec 14 points ou 13 points au risque de perdre des places. Alors, on va regarder les dernières infos. Et c'est parti pour ce match. Donc, j'ai déjà fait ma compo d'équipe, sachant que, comme je vous l'avais dit, que j'avais fait tourner pour le match de Capital One. Donc Tim Krul dans les cages, non, erreur. Geronimo Rulli. Yann-Mat, Kahneman, Orban, Tomovic, toujours en l'absence de Haïdara qui est toujours blessé. Tchoté en milieu défensif, Biguerimana, Colback, Thauvin, Wijnaldum, Cissé. Cissé en l'absence de Seferovic qui est toujours blessé. Et je laisse Destro au repos. Donc, on valide. On passe au match. On voit que je suis clairement pas favori du tout. Et Gonzalo Higuain a marqué à 10 reprises en 13 matchs. Donc méfiance sur Gonzalo Higuain. Mesut Özil, non, on va pas faire de marquage strict. Donc toujours pareil, les deux buteurs, je les mets tout le temps en marquage strict. Et le reste, je mets le pressing sur les milieux. On va faire un pressing sur les latéraux qui montent souvent, eux aussi. On l'a vu contre Liverpool. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Continuer sur la lancée du dernier match, ça peut les motiver. Ça en a motivé deux. Et c'est parti donc pour ce match de la 10e journée, dernier match de la journée, avant les derniers matchs de la journée de première division. Forcément, on va subir encore pendant ce match, pendant cette vidéo complète, j'ai envie de vous dire, parce qu'après on a Chelsea qui nous attend. Alors, Biguerimana pour Wijnaldum dans la surface. Wijnaldum qui va pouvoir passer, il y va tout seul, non. Tomovic qui récupère, peut-être le centre, il la lui redonne. Le dégagement du défenseur d'Arsenal. Et le ballon finalement récupéré. Tomovic. Qui joue dans l'axe avec Colback. Yann-Mat. Tioté. Colback à nouveau. Change de côté peut-être. Avec Wijnaldum, l'interception de Bellerin. Alors Bellerin, un des meilleurs défenseurs du championnat. Il a fait une excellente saison l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, il a même été élu meilleur espoir. Sélectionné dans l'équipe type de l'année, ça c'est sûr. Pour l'instant, 10 minutes de jeu, on a la balle, même si on peut parler d'un match plutôt équilibré. Yann-Mat, Biguerimana, en profondeur pour Yann-Mat qui va pouvoir centrer. Non, en retrait pour Thauvin, Thauvin qui va rentrer dans l'axe. Colback, Colback peut-être la frappe, c'est contré et récupéré par Mesut Özil. Higuain, qui change de côté avec Bellerin, peut-être en profondeur, il accélère Bellerin, il est passé. Centre pour Alexis, Sanchez. Et le ballon est dégagé, récupéré par Cissé. Cissé qui mène la contre-attaque. Cissé qui donne une passe à Koscielny. Normal. Et ça repart de l'autre côté avec Mesut Özil. Interception de Yann-Mat pour Colback. Cissé en profondeur, sur le côté gauche. Côté droit plutôt. Qui redonne en retrait pour Thauvin qui passe dans l'axe. Biguerimana, Yann-Mat. Yann-Mat.
Yerimana, peut-être en profondeur pour Yann Mat qui est passé. Yann Mat qui peut centrer en retrait. Non, complètement raté. Tomovic qui fonce plein axe. Tomovic qui va peut-être tenter la frappe. Ce n'est pas cadré. Mais c'est une occasion pour nous. C'est toujours bon à prendre. Vaut mieux prendre une occasion pour nous qu'une occasion pour eux. Interception de Thauvin. Thauvin qui lance Wijnaldum dans la surface rapidement. La frappe bien captée par Chesney. Dommage. Belle interception de Thauvin. Il avait un bon coup à jouer. Dommage, dommage. Stade blindé pour la réception des Gunners. Et la touche jouée par Monreal vers Casemiro. Ozil. Ozil qui perd la balle. Cissé, Thauvin. Thauvin, Bigirimana qui remet pour Yann Mat. Yann Mat, Bigirimana de nouveau. Qui change de côté avec Tomovic. Tomovic qui peut centrer. Transmet à Wijnaldum dans la surface. Callback qui profite. Finalement, c'est Thauvin qui frappe, mais ce n'est pas cadré. Dommage. Aaron Ramsey qui met en retrait pour Sanchez qui obtiendra le corner. Tiré logiquement par Ozil. Attention, peut-être la contre-attaque. Il y a un 2 contre 2. Bigirimana qui passe la ligne médiane. Il tente de lancer. Si c'est. Ce sera pas bon. Monreal sera le premier sur le ballon. Ballon mal donné par Bigirimana. Et le ballon dans les pieds des Gunners avec Ozil. Ozil qui s'entre en retrait. Bellerin. La parade de Rouli. Le ballon n'est pas sorti. Tacle de Tomovic. Dans la surface, c'est dangereux, mais il concédera seulement la touche. Une demi-heure de jeu. Et Tiote qui prend la première biscotte pour nous. Le voilà, Tiote, qui mène la contre-attaque. Lui aussi, il lance Cissé en profondeur, qui sauve la touche. Cissé, Cissé qui perd repiqué dans l'axe. Non, c'est mal donné, ça. Oh, la contre-attaque, il est tout seul là-bas. Il est tout seul. Et le but. Le but d'Alexis Sanchez. La contre-attaque mal négociée qui permet à Arsenal de contre-attaquer à leur tour et de marquer. C'est là qu'on voit que les mauvaises passes, ça peut coûter cher. La réaction avec Yann Mat, Thauvin. Thauvin dans la surface, Thauvin qui y va. La parade de Chesney. Belle réaction de Thauvin. Callback au corner. Le ballon est dégagé. Et Tomovic est le premier sur le ballon. Tioté à la réception. Vers callback. Callback. Cherche une solution. Trouve Bigirimana. Tioté. Qui écarte vers Tomovic. Tomovic à gauche. Qui repasse par Tioté. Tioté peut-être la frappe. C'est pas cadré. Match équilibré dans son ensemble. On se fait punir sur un contre. Et pour l'instant, on n'a pas à rougir. Monreal qui récupère. Il se fait contrer par callback, callback. Callback le long de la ligne de touche qui joue avec Thauvin. Thauvin, il y a de l'espace devant. Il préfère rejouer en retrait par Bigirimana qui perd la balle. Et voilà, nouvelle contre-attaque menée par Higuain. Higuain qui se fait contrer par Orban. Kahneman qui change de côté vers Wijnaldum qui lance en profondeur encore de l'autre côté vers Thauvin. Que de transversal. Thauvin qui accélère et qui peut centrer pour callback. Non, récupéré par Wijnaldum. Bigirimana. Et la frappe finalement captée par Chesney. C'est un petit peu décousu quand même comme jeu. Si c'est Wijnaldum, le ballon dégagé. Orban. Callback. À gauche avec Tomovic. Tioté. Tioté encore. Plein axe. Callback. Thauvin pour Tioté, mais que d'occasions ratées, que d'occasions ratées pour les joueurs de Newcastle. On va les encourager. Font pas un mauvais match, hein, mais disons que la réussite offensive n'est pas au rendez-vous. Je vais leur dire quand même que je veux voir autre chose en seconde période. En espérant que ça leur permette de concrétiser les occasions.
une allume qu'on n'a pas beaucoup vue. Il a eu des occasions. Il a moins pesé sur le jeu que d'habitude. Et l'interception d'Ozil. 6-3 de moyenne pour Papi Cissé. Il va sortir. Remplacé par Destro. Sans surprise. Et Bigger Imana, ça y est, qui prend sa biscotte lui aussi. On va pas attendre plus. Papi Cissé qui va sortir. Continue sur la lancée de ton dernier match, t'as claqué un but. Et les Gunners à l'attaque avec Higuain, Cazorla, Monreal, Casemiro. Et le deuxième but de Sanchez. Voilà. Eux, ils ont la réussite offensive, nous, on l'a pas. Et on se fait punir, Adam, contre eux. Pas grand chose à faire, malheureusement, hein. Match est équilibré, on a des occasions, mais on les met pas au fond, à l'inverse de d'Arsenal. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on pourrait changer? Y a pas grand-chose à part faire du poste pour poste, mais bon. À sortir Tioté qui fait un bon match pourtant. Bigger Imana. On va sortir Bigger Imana pour Cabella. Faire montrer Tioté d'un cran. Tioté, milieu récupérateur. Et Cabella, on va le faire passer en meneur de jeu. On apporte du 109. Et des solutions qui peuvent peut-être nous aider à remonter au score, alors que Tomovic va prendre un carton sur cette faute sur Bellerin. Arsenal qui joue en contre, hein, clairement. Que de notifications Facebook, décidément, aujourd'hui. Bellerin pour Higuain, c'est récupéré par Wijnaldum. Il dégage loin devant. Et c'est les rouges qui récupèrent. Avec Darossi. Koscielny, Bellerin. Bellerin qui fait un carnage sur son côté. Oh, il va y aller tout seul. Voilà pourquoi il a fait une excellente saison l'an dernier. Il est capable de donner d'excellents mouvements comme celui-là. Alors, certes, passer en contre, d'habitude ça nous réussit. Là, ça ne nous réussit pas. On n'a plus d'occasion. Donc, on va changer et passer en contrôlé. Avec Coquelin qui est rentré. L'interception de Cabella. Qui lance Destro en profondeur, mais il ne sera pas le premier sur le ballon. Mertesacker qui est plus rapide que Destro. On aura tout vu. Bellerin. Casemiro qui lance en profondeur Higuain, mais Orban va être le premier sur le ballon. Orban qui remet à son gardien. Rulli qui peut écarter peut-être à droite. Voilà, derrière Matt. Prolonge jusqu'à Gaston. Qui repasse dans l'axe vers Tioté. Tioté, Wijnaldum. Qui rechange de côté avec Gaston. Ça fait circuler des deux côtés. Ça, on peut pas dire qu'on n'utilise pas les côtés. Mais voilà. Et en deux touches de balle, on est de nouveau à la ramasse en défense. Ça se projette trop bien pour nous. Ça se projette trop bien. On n'a pas le niveau pour rivaliser avec Arsenal, en tout cas sur ce match. Là, je vois que la différence est quand même assez flagrante. Tant qu'on concrétisera pas nos occasions, on sera pas tueur devant le but, et ben on aura ce genre de résultat. On a trop d'occasions cadrées qui terminent pas au fond. On va le voir, hein, je pense, dans les statistiques à la fin du match. Je pense que ça va être flagrant.
Voilà, score final à domicile, défaite contre Arsenal. Comprennent rien à chaque fois. 8 frappes cadrées, 2 au fond. On en a 5, on les met pas. Donc sur les tirs cadrés, on en a un de Tchoté, deux de Wijnaldum, un de Thauvin, un de Beguerimana. A noter que ni Cissé ni Destro n'ont frappé au cage. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça aussi. Alors, pour l'instant, ça ne change rien au classement. C'est nous qui faisons le moins de fautes et recevons le moins de cartons jaunes. Ouais, c'est une grande satisfaction. Ouais, bon. Manque de réussite de 6 inquiète Newcastle. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire de ouf, lui, donc. Il est moins, beaucoup, beaucoup moins décisif que l'an dernier, ça c'est sûr. Alors, victoire tranquille, ok. Récapitulatif. Hierro à la tête de la Gantoise. Moi, ça, je compte pas le recruter, c'est juste que je m'étais renseigné sur Butland, vu que lui, il voulait quitter le club, donc je m'étais renseigné sur son tarif. Mais ils en demandent beaucoup trop, hein. Je crois qu'il est évalué à 4,5 millions, ils en demandent encore 12 millions, quelque chose comme ça. Alors, les matchs, les derniers matchs de la première division de cette 10e journée. Victoire de Crystal Palace et victoire de Liverpool. Donc Liverpool doit nous passer devant. Alors on perd une place au classement. Alors si on fait ça et ça, le 8e, est-ce qu'il est qualifié pour une Coupe d'Europe? Non. Donc faut viser la 7e place cette année. On va essayer de l'accrocher en tout cas. On va essayer de l'accrocher. Pour l'instant on est 8e. Bon, on est à 10 matchs, on a fait un tiers. Et on reçoit 500 000 euros pour le transfert de Paul Dumet. C'était prévu. L'entraîneur du Pays de Galles. Ouais, c'était pas pour nous. Souza renvoyé par la Fiorentina. Fiorentina qui est 16e en Serie A. Ben, un parcours excellent, hein. 3 victoires, 8 défaites. Est-ce qu'ils auraient des joueurs à nous filer en fin de saison? Bon, ils ont un gros effectif. Ça mérite d'y jeter un coup d'œil en fin de saison. Ça peut être intéressant. Alors, ok, encore des récaps et toujours des récaps. Rapport sur Chelsea, on joue défensif, c'est logique. Ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite. Promet un match compliqué. Ravel Morrison qui est toujours incertain. Donc Swansea qui perd à West Bromwich. Voilà, la 10e journée est terminée. On est même 9e au classement. Bon, on est toujours dans les objectifs des dirigeants. Maintenant, on n'est pas. On a de la marge encore. Équipe de la semaine. Il n'y a personne. Il y a Mesut Özil. Cet enfoiré. Hector Bellerin, joueur du mois, en tout cas second meilleur du juin, meilleur espoir. Bah, décidément, ce mois-ci, on en aura eu des louanges. Alors, ça c'est en France. Et ça, c'est pas en Angleterre. Bon, c'était un. Enfin, c'est un épisode compliqué. Hein. Je m'attendais pas à moins. En affrontant Arsenal et Chelsea, même à domicile. Ah! Comité directeur débloque de nouveaux fonds, à savoir que le budget de nouveau transfert augmenté de 6,75 pour passer à 11,25. C'est une bonne nouvelle.
Les dirigeants sont satisfaits de mon travail. Le recrutement de Ravel Morrison est considéré comme un renfort de premier choix. Moussa Sissoko, ils sont déçus. Et au niveau des finances, on est pas mal. Donc tout ça, on en est encore loin. Et tu mets. On a déjà touché les sous. Encore des joueurs que je supervise au cas où. Et pourquoi pas donc une recrue dès maintenant. Avec 11 millions, il y a moyen de recruter pas mal. Donc le seul poste que je vois qui aurait besoin d'être renforcé, c'est le poste d'arrière gauche. Toi, tu reviens de blessure, tu vas faire que 45 minutes. Parce que j'ai que Haïdara et Tomovic. Tomovic, et c'est pas son poste de prédilection. Donc un remplaçant à Haïdara. Voire quelqu'un qui pourrait qui pourrait faire jouer la concurrence. Donc Haïdara et Morrison qui reviennent. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas s'ils seront prêts pour le match contre Chelsea. Ça m'étonnerait. Non, c'est sûr que non. On joue demain. Alors, on se retrouve de nouveau contre José Mourinho. Non. Non, 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 mes joueurs sont. Je reste concentré. José Mourinho semble toujours déterminé à vous provoquer. Bah oui, bah José Mourinho fait du José Mourinho. Vous entendez-vous bien? Oui, bah on va pas chercher la merde. Quoique. Quoique, attends. Attente. Page d'accueil, c'est où mon profil information, les personnes qui me blairent les moins. Le moins, c'est qui? Pire opinion, bon, il n'en fait pas partie. Donc, je vais pas tailler Mourinho. Voilà. Puis, on sait jamais, il pourra peut-être vendre un petit joueur ou me prêter un petit joueur. Donc, c'est tout le temps garder une bonne entente. Alors, Young écarté. Est-ce que mon joueur a été pris? Non. Non. Non, non, non. Il est trop faible encore. Enfin, trop juste peut-être. Morrison n'a pas été pris. Même pas en équipe espoir. Ok, meilleur club formateur. On y est. 9e. Enfin, 9 joueurs formés. C'est Seferovic qui reprend l'entraînement complet. On commence à retrouver tous nos joueurs, ce qui est une bonne nouvelle. Même s'ils ne seront pas prêts pour le match contre Chelsea. Match de FA Cup qui n'est pas prêt de commencer pour nous. C'est actuellement le premier tour. On rentrera qu'au troisième tour. Donc on a encore un petit peu de marge. Et on arrive enfin au 5 novembre. Date à laquelle on va affronter ou on va recevoir Chelsea. Gros match, gros match. En espérant s'en sortir un petit peu mieux que contre Arsenal. Alors on joue encore une fois en fin de journée. Ça nous permet de voir les résultats des autres clubs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? City a gagné, Arsenal a perdu, Reading a perdu contre QPR, Swansea s'est repris contre Crystal Palace, Watford et West Bromwich ont gagné, ce qui fait qu'on a perdu pas mal de place au classement. On est 11e. Si on gagne Chelsea, on peut remonter la 8e place sous réserve du résultat de Liverpool. Sinon, on terminera la journée à la 11e place. Donc, autant vous dire que je ne suis pas confiant pour ce match. Mais, d'ailleurs, on ne les a jamais battus. Mais on peut peut-être tenir le match nul, ce qui ne changerait rien au classement. En tout cas, on va essayer de faire une bonne prestation. On peut voir qu'ils ont encore une équipe type. Diego Costa, Hazard, Oscar, Cuadrado, Matic, Van Ginkel.
Azpilicueta, Terry, Zuma, Mikey, Thibaut Courtois. Grosse équipe, donc Papi Cissé, tu sors. On va mettre. Donc pas Seferovic. Est-ce qu'on retente Perez ou Armstrong? Lors du dernier match, Destro il a eu 6,50. Perez lors de son dernier match, il a eu 6,70. On va tenter un pari. Et mettre le petit jeune de 19 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, sur les 5 derniers matchs, qui c'est qui galère? Kahneman qui est pas au top. Est-ce qu'on pourrait mettre Taylor? Il a fait de bons matchs, même si je ne sais pas contre qui tu as joué. 8-6 contre Brentford. Attends, c'était. Bon, allez. On va mettre Taylor. Non, par contre, Taylor, toi, tu joues défenseur strict. Ah, papa. Mais est-ce qu'on remettrait pas Tim Krul? On va mettre Tim Krul, qui a une meilleure note moyenne sur les 5 derniers matchs que Rulli. Ok. On va pas lancer Badelj. Quand il rentre, je le trouve pas exceptionnel. Morrison toujours sur le banc fatigué. Perez. Seferovic. Gutiérrez peut-être qui peut apporter quelque chose. À la place de qui? Le faire jouer Gutiérrez et Cabella va rester sur le banc. C'est dommage parce que l'an dernier je visais Cabella comme étant une recrue prioritaire. Je le comptais le mettre dans le 11 titulaire, mais le problème c'est que cette année Wijnaldum fait quand même de bonnes prestations. Oh, de pire en pire notre cote. On est à 5. Donc Eden Hazard, Oscar Cuadrado, Matic, Van Ginkel. Donc c'est la même que celle qui était annoncée. Avec William Bereino, Pedro, Ivanovic et Ramirez sur le banc. Ok, Hazard, Oscar. Nope. Toujours, toujours. Toujours. Et toujours. Faire jouer du mauvais pied. Maximum deux joueurs. Alors, plus discipliné. Gardez votre placement. Ne vous jetez pas. Conservez le ballon. Non. Oublier ce qui s'est passé la dernière fois. Callback, tu m'énerves. Et c'est parti pour ce 11e match de première division cette saison. Encore un match compliqué. Thauvin, bon travail de Callback qui arrive à ajuster Thauvin. Oh, le retour d'Aspilicueta à 264 km/h. Trop rapide pour Thauvin là pour une fois. Pourtant c'est pas son point faible Thauvin. Et le corner tiré par Colbach au premier poteau. Mike qui dégage. Tomovic qui récupère. Tomovic qui profite de la blessure d'Aïdara pour être titulaire. Le voilà. Qui devrait regagner son poste rapidement s'il vous plaît. Faute de Diego Costa. Pas de carton. C'est la première du match, ça reste tranquille. La touche d'Azpilicueta, loin. Hazard à l'entrée de la surface. Zuma. Terry. Qui joue en retrait. Oscar. Hazard. Oh, qui s'est fait découper.
Et Taylor qui lance loin devant Armstrong face à Terry. Ça sera le défenseur qui arrivera en premier. Et le gardien va aller lui redonner. Matic. Oscar en une touche de balle pour Diego Costa qui est passé. La frappe qui n'est pas cadrée. Attention. C'est technique. Mais si on joue un grand match, il y a moyen de rivaliser avec cette équipe. On est arrivé à tenir le match nul lors de la phase aller l'an dernier. Si je me rappelle bien. On avait perdu lors de la phase retour. Alors, petite. Non, pas de carton toujours. Nouveau corner par contre. Et nouveau ballon dégagé par Diego Costa. Tomovic, encore Tiote, la frappe de loin. La frappe énorme sur la transversale. Courtois qui s'en sort plutôt bien sur cette grosse frappe de Tiote. Aussi soudaine qu'inattendue. Et qui termine sur la transversale. Ouh, il n'est pas sorti le ballon là. Bien dégagé en tout cas par Tioté. Ballon sorti proprement. Wijnaldum qui le perd lui. Pas proprement. Costa qui a encore passé. Le poteau. Oh là là, une grosse occasion partout. Mais toujours 0 à 0. Peut-être là. Non, toujours pas de carton. Alors, Eden Hazard. Tioté. Cette fois. Voilà. Premier carton jaune, ce sera pour Tioté. Tioté qui prend beaucoup de cartons jaunes. Hein, souvent sanctionné, mais il faut dire. C'est son poste qui veut ça. Donc on va pas lui reprocher. Eden Hazard qui est passé sur le côté gauche. La frappe ou centre-tir. Qui ne trouve pas preneur. Et on arrive à la mi-temps avec un carton jaune pour Wijnaldum. Donc Armstrong absent de cette première mi-temps. Il va sortir, je pense, dans pas longtemps. Ok. Je vais arriver à un petit peu les motiver en leur disant que c'était pas satisfaisant le travail qu'ils m'avaient fourni en première mi-temps. J'espère qu'ils vont hausser leur niveau de jeu. En sont capables. Peut-être un but sur ce coup franc de callback, non. Et Armstrong va sortir dès le retour des vestiaires pour faire entrer Mattia Destro qui va jouer attaquant avancé comme à son habitude. Et je tiens à ce que tu mettes des buts aujourd'hui, s'il te plaît. Tomovic, pas de carton. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Cuadrado, Oscar, Diego Costa qui passe par-dessus la défense et le but. Ouais, ça fait trois fois quand même, hein, que les défenseurs se font passer par Diego Costa. Ballon récupéré par Beguerimana. Yerimana qui a vu l'appel de Tovin, il va peut-être y aller tout seul. Non, c'est sans danger cette frappe. Sans danger. Aïe 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 aïe. Mauvaise passe de Newcastle. Ah, calendrier pas facile, mais on a fait des erreurs contre des petites équipes. Donc forcément, le moral il est pas à fond quand on joue contre les gros et carte à droite. Non, il y va tout seul. Destro. Et voilà, il la perd. Et on se fait contrer de nouveau avec Matic, Costa. Costa, wow, dans l'axe. Wouf, le sauvetage de Krul, temporaire. Et le doublé d'Eden Hazard. Enfin, le deuxième but pour Chelsea. Alors. Puisque jouer avec un milieu récupérateur, ça ne fonctionne pas. On va repasser comme ça, avec l'entrée de Cabella. En attaquant de soutien.
déjà pour commencer, on va faire ça. Même si ça présente un risque qu'on se fasse contrer. C'est possible. Mais de toute façon, on est à 2-0, faut tenter quelque chose. On joue contre un prétendant au titre, donc oh là là. Même pas le temps de faire les changements qu'on prend un troisième but. Attendez, j'ai vu un truc là. On prend l'eau. Et il y en a un qui prend l'eau plus que les autres. C'est Taylor avec Tomovic. Je peux pas me permettre de laisser un joueur qui tourne à 5,90 de moyenne. Alors que je viens d'oublier de donner des consignes à Kahneman qui vient de rentrer. Donc Taylor. Oh là là. Taylor qui se fait passer sur toutes les incursions de Diego Costa. Ça a été mon erreur. Je suis responsable pour cette défaite. Avec la réduction de score de Thauvin en galérant. Bon. Pourquoi pas. Sauve l'honneur au moins. Orban, Matic, Hazard, Ekroul qui récupère. Donc je pense qu'au niveau composition de match, j'aurais pu faire mieux. Peut-être Tim Krul qui peut, bon, il peut pas faire grand-chose hein, sur les trois buts abandonnés par sa défense. Peut-être bon Taylor qui est clairement un mauvais choix. Alors Beraino. Hop, et Ramirez. Peut-être donner trop de consignes individuelles aussi. Et puis Armstrong qui n'a rien de montré, le coup dans l'eau complètement. Peut-être j'aurais dû mettre Destro titulaire ou continuer à faire confiance à Papi Cissé, même si je suis pas certain de cette décision. Attention à Wijnaldum dans la surface, la frappe. Oui, il a failli faire la même que Thauvin. Sauf que la deuxième, il n'est pas arrivé à la cadrer. Ça aurait pu changer la physionomie du match à 3-2 là. Quatrième minute, Tomovic pour Wijnaldum. Je suis pressé quand même du retour de Seferovic. Non, là ça donnera rien. Seferovic qui avait fait un très très gros début de championnat. Voilà. Oh là là, Destro qui vendange le bon travail de Thauvin. Était allé effectuer le pressing et qui permettait la récupération du ballon. Qui a permis la récupération du ballon. Alors que là c'est Cabella. Permet de récupérer le ballon. Et Mikey qui intercepte, qui récupère la balle dans les pieds de Wijnaldum. Le voilà, Mikey en retrait avec Cuadrado, Ramirez, Cuadrado, Matic, Mikey, William, Beraino tout seul, Cuadrado qui continue, qui conclut par une frappe qui est détournée en corner par Tim Krul. Et la tête d'Orban. C'est pas fini. Eden Hazard qui va tout seul et qui ne cadre pas. Bon, et ben on peut dire que cette défaite, elle est pour moi. D'accord. Voilà, continue de faire de la merde jusqu'au bout. Ok. Oh va chier. Quoi que je fasse, un coup ils sont contents, un coup ils sont pas contents. Eh bien écoutez, ça s'annonçait comme un épisode difficile. Ça l'a été. Je pense évidemment que c'est... Voilà. J'assume l'entière responsabilité. Il va falloir relever la tête. Heureusement, pour le prochain match,
contre Southampton, il y a une petite trêve internationale là. Je vais pouvoir compter sur toute mon équipe. Donc Morrison qui sera revenu, Seferovic qui sera revenu, Aïdara qui sera revenu. Déjà trois titulaires qui reviennent. Donc 11e au classement après 11 journées. West Ham ne peut pas nous passer devant. Et le résultat entre Liverpool et Southampton, enfin de Liverpool ou Southampton, ne changera rien. Donc on va terminer la 11e journée à la 11e place. On a un calendrier qui va s'alléger légèrement avec Southampton, West Ham, Crystal Palace, Watford et Leicester avant d'attaquer encore Manchester United, Everton et Tottenham. J'espère que pendant cette période, on va pouvoir relever la tête. Southampton, qui joue plutôt bien, qui est 7e. Puis West Ham, 16e. Crystal Palace, Watford et Leicester. Donc Crystal Palace, 15e. Watford, 9e. Et Leicester, 13e. Donc on a encore un match difficile contre Southampton après. Il va falloir commencer à gratter des points. Voilà. Donc, en plus d'accroître notre série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans victoire, on en est à 2 matchs, 2 défaites consécutives. Il va falloir relever la tête rapidement. Et trouver un 11 vraiment titulaire, parce que là, c'est vrai que sur les derniers matchs, j'ai fait pas mal tourner. Et ça aide pas forcément à l'harmonie. Il va falloir que Destro y mette du sien, que Badelje hausse son niveau de jeu. Et puis que Seferovic, Aïdara et Morrison reviennent à leur niveau de jeu. Qui était le leur avant qu'ils se blessent. Voilà, donc malgré tout, j'espère que cet épisode vous aura plu. Malgré les défaites, hein, on ne peut pas toujours avoir 100% de victoire. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait lassant. Et puis bon, en même temps, je cherche à faire des épisodes intéressants. Donc c'est sûr que un épisode contre Arsenal et Chelsea, c'est plus intéressant qu'un match contre Aston Villa et Brentford. Même si forcément les résultats auraient été meilleurs. Donc j'espère malgré tout que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis je vous souhaite une bonne continuation sur vos parties respectives sur Football Manager. Je vous dis à la prochaine. Prochain épisode, je ne sais pas si je vais attendre d'arriver jusqu'à Manchester United ou si je vais revenir pour Stoke et Crystal Palace par exemple. Je ne sais pas du tout, ce sera la surprise du prochain épisode. Donc je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien sur Football Manager. Merci pour tous ceux qui commentent et qui likent ma série. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.